Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans cette vidéo pour ce tutoriel. Donc ensemble on va réaliser cette salopette. Alors elle est pour une taille de 3 à 6 mois. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit point donc, en forme de damier. Fait. Alors donc pour le dos, elle sera tout en jaune. Et sur le devant, donc on va utiliser du jaune et du blanc. Alors très facile à réaliser, on part de même principe que donc les salopettes précédentes, sauf qu'on va changer un peu au niveau des mailles. Donc voilà, alors on aura besoin donc très facile. Alors pour réaliser donc cette salopette, comme j'ai dit, vous aurez besoin des aiguilles numéro 2 et des aiguilles numéro 4. Soit vous prenez des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites. Donc les pieds, les jambes vont se réaliser de la même manière. Donc, avec des aiguilles numéro 2, je vais monter 20 mailles. Donc, on va monter 13, 14. Donc, on monte 20 mailles sur des aiguilles numéro 2. Voilà, 20 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 20. Voilà, 20 mailles. Donc, premier temps avec du blanc. Donc, je vais monter 6 rangées en côte de 1-1 en blanc. Alors, je récapitule un peu. On va monter 6 rangées en côte de 1-1 en blanc. 4 rangées en jaune. Et on va terminer par 6 rangées en blanc, en côte de 1-1. Donc 6 rangées premièrement en blanc, 4 rangées en jaune et on terminera par 6 rangées en blanc. Donc, on va terminer les 6 premières rangées en jaune. Voilà. Et on va passer en jaune, on va monter 4 rangées pour terminer avec la couleur blanche. Donc, on va terminer par 6 rangées en blanc.
Donc on termine la quatrième rangée en jaune. Alors donc vous allez réaliser quatre morceaux. Donc pour chaque pied, ça, je vais cacher le fil jaune comme ceci et le blanc. Donc on fait cette petite séquence pour avoir le fil donc toujours à la même rangée. Donc quatre rangées en jaune. On va terminer ce morceau par 6 rangées en blanc avant de continuer. Donc moi je vais monter 4 morceaux identiques. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, ça nous fait déjà 11. Et on va terminer par 6 rangées en blanc. Donc vous cachez le fil de cette manière. Pour toujours avoir donc le fil avec vous, en fait donc juste devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, pour avoir toujours le fil à la même rangée. Voilà, vous montez 6 rangées en blanc et on se retrouve après. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ne pas rater les prochaines publications. Donc, on va terminer la sixième rangée avant de passer à la suite. Donc, après avoir monté 6 rangées en blanc, 4 rangées en jaune et 6 rangées en blanc, on va passer aux aiguilles numéro 4. Voilà. Donc, vous allez réaliser 4 morceaux. Pour former donc les deux pieds. Voilà donc. On va passer aux aiguilles numéro 4. Et avec des aiguilles donc numéro 4. Cette fois-ci, je vais repartir. Donc je vais faire 13 augmentations. Alors, vous faites 13 augmentations. Donc, on a commencé par 20 mailles. On va faire 13 augmentations. Donc, on va avoir 33 mailles à la fin de ces 13 augmentations. Cette fois-ci, on va le tuer. On fait encore jaune. On fait une maille. On fait une augmentation intercalaire de cette manière. Deux mailles, en fait. Alors, excuse-moi, je fais deux mailles ici. Alors, je vais. Oui, voilà, donc une maille. Vous faites une augmentation. Donc, au début de la rangée. Ça fait donc une augmentation, une maille augmentée. Je fais une, deux. 3 et 4 mailles. Donc une maille, une augmentation, 4 mailles. Cette fois-ci, donc je vais faire une augmentation. Une maille tricotée à l'endroit. Une augmentation. Une maille tricotée à l'endroit. Donc je vais faire au total 11 augmentations ainsi. Donc une augmentation, une maille tricotée à l'endroit, une augmentation, une maille tricotée à l'endroit 11 fois. Donc sans prendre en compte la première augmentation que j'ai fait. Donc au total on va augmenter, on va réaliser 13 augmentations. Donc pour terminer, donc je fais 4 mailles
et je vais faire donc la 13e augmentation avant la dernière maille. Voilà. Donc, et je tricote la dernière maille à l'endroit. Voilà, donc je dois avoir 33 mailles sur mon aiguille. Donc 20 mailles de départ plus les 13 mailles, les 13 augmentations, on a 33 mailles. Et je vais tricoter la rangée retour, je vais la tricoter à l'envers. Termine la rangée retour. Alors, il y a un petit vent. Et ça fait un peu du bien parce qu'il fait très chaud. Voilà, donc, une fois terminée la rangée retour, alors, je vais prendre des marqueurs. Alors, ça, c'est donc le pied gauche. Alors, on va réaliser ce petit motif, donc ce petit point. Alors donc pour cette partie, vous allez tisser les deux couleurs parce qu'on va travailler les deux couleurs en même temps. Alors donc vous allez trouver la manière donc qui vous conviendra, donc qui vous convient pour tricoter ce motif. Donc on tricote une maille en jaune, deuxième maille. Pardon, excusez-moi, alors là je peux pas prendre le blanc parce que je vais tricoter les deux couleurs à la fois. Donc je fais deux mailles en jaune, je pose un marqueur. Alors là, ça c'est le pied gauche. Je prends le fil blanc, je vais tricoter 1, 2, 3 et 4, 5 blancs. Je pose un marqueur. Avec le jaune, donc je vais refaire la même chose. Donc je vais tricoter 1, 2, 3, 4 et 5. Je pose un marqueur. Avec le blanc, je fais donc la même chose. 5 mailles en blanc, 5 mailles en jaune, 5 mailles en blanc et 5 mailles en jaune. 5 mailles en blanc, je pose un marqueur. Alors là, juste pour le début, donc vous allez tisser, ou simplement vous allez croiser le fil derrière. Faites donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je pose un marqueur et je vais terminer par 1, 2, 3, 4 et 5. 5 blancs. Je pose un marqueur. Et avec le jaune, donc je vais travailler les dernières mailles en jaune. Donc je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 jaunes. Je pose un marqueur et je vais terminer donc par une maille. Voilà, donc la rangée retour, la rangée aller. 2 mailles. 5 jaunes, 5 blancs, 5 jaunes. On termine par 5 bleus. Alors, rangée retour ici, on va tricoter toutes les mailles à l'envers.
Après, donc, cette rangée retour, vous allez répéter ces deux rangées. Donc, de nouveau, vous allez tricoter. Vous allez reprendre donc la première rangée et la deuxième rangée. Donc, au total, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Alors, on fait un rangée retour. À la fin, vous allez reprendre donc ces deux rangées et vous allez tricoter 6 fois au total. Voilà, donc, comme je dis, donc vous allez refaire la première rangée, la deuxième rangée, 1, 2, 3, 6 fois. Voilà. Voilà, donc après avoir refait, donc vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc vous avez 4 rangées au total, donc pour avoir ces petits carrés. Alors, après la première partie, donc la première partie, c'était on avait commencé avec la laine blanche, la couleur blanche. Cette fois-ci, on va inverser. Donc, on va commencer avec le jaune. On fait deux mailles. Donc, les deux mailles seront toujours tricotées en jaune. Alors, cette fois-ci, on va commencer avec le jaune. Donc, vous faites 5 mailles en jaune. Là. Marqueur sur les mailles en jaune, on va tricoter en blanc, et sur le maille en blanc, on va tricoter en jaune. Donc, on va refaire. On va refaire 6 rangées. Donc, vous allez répéter ces deux parties. Première partie, on commence en blanc. Deuxième partie, on commence en jaune. Première partie, on commence en blanc. Et deuxième partie, on commence en jaune. La deuxième partie, vous allez terminer en blanc et la dernière maille, donc elle est toujours tricotée en jaune. Voilà. Donc, pour la rangée retour, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent avec leur couleur. Donc, vous allez répéter cette partie. 1, 2, 3, 4. 3 fois.
Voilà donc, au total, nous avons donc une, deux. Voilà donc, je disais, vous avez au total un, deux, trois rangées. Vous avez une rangée commencée en blanc, jaune, deuxième rangée commencée en jaune et en blanc. Alors, pour le pied côté droit, donc là, ça va changer un peu. Pour le pied côté droit, je prends les marqueurs. Alors, il faut bien réaliser ce pied pour avoir donc le résultat juste à la fin. Donc, pour le pied côté droit, donc pour le pied droit, je disais, donc vous avez déjà fait 20 mailles, vous avez réalisé la première partie en côte de 1-1. Alors, pour le pied droit, on fait donc deux mailles à l'endroit. Alors ici, vous allez tisser, parce que tout à l'heure, deux mailles à l'endroit. Voilà. Je pose le marqueur. Je fais donc, cette fois-ci, je vais commencer avec le jaune. Je fais donc 5 mailles en jaune. Une. On passe le fil au-dessus de l'aiguille pour tisser. Donc vous allez passer le fil au-dessus de l'aiguille une fois. Quand vous allez tricoter la maille suivante, vous passez le fil en dessous de l'aiguille. Donc c'est pour tisser le fil. Comme ça, vous passez au-dessus de l'aiguille. Et on passe le fil en dessous, tricoter votre maille. Donc ça me fait 2 mailles, 5 mailles en jaune. Je pose le marqueur. Pour travailler la couleur blanche, on va procéder de la même manière. Donc vous tissez première fois le fil, donc vous faites une. 2, on passe au-dessus de l'aiguille, ça fait 3, 4 et 5. Voilà. Je pose un marqueur. On va travailler la couleur blanche. On va procéder de la même manière pour tisser le fil.
Donc 5 mailles en jaune. Je pose un marqueur pour terminer. Donc on va terminer cette fois-ci la rangée en blanc. Donc on va faire une, deux, trois, quatre et cinq mailles, cette fois-ci en blanc, et on termine la rangée en jaune. Donc les deux premières mailles et la dernière maille seront toujours tricotées en jaune. Donc vous allez répéter la séquence comme pour le premier morceau. Alors la rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, pardon, à l'envers. Donc voilà, pour la réalisation des deux pieds, normalement là je fais
Voilà, donc là, vous allez voir la différence entre les deux pieds. Ici, j'ai tissé le fil. Et pour le premier pied, donc, j'ai pas tissé le fil. Voilà pourquoi vous allez avoir donc, une petite différence à la fin. Donc, si vous ne tissez pas le fil, vous allez voir, le travail sera un peu tendu. Mais une fois que vous tissez les fils, vous allez constater donc que le travail sera plus détendu que si vous ne tissez pas le fil. Et la dernière maille en jaune. Donc voilà, on monte. On va monter donc 6 rangées, ah pardon, 3 rangées. On va monter au total, donc pour faire simple, on doit avoir 3 carrés au total. Lorsqu'on tourne, on va terminer donc la dernière rangée avant de changer de couleur pour la deuxième partie du motif. Donc on a deux mailles seront toujours tricotées pardon, en jaune. Voilà, donc on a terminé la première partie. La deuxième partie, on va tricoter, donc on va inverser les couleurs comme pour le premier pied. Voilà, vous pouvez voir la différence. Si j'ai tissé le fil et le premier pied, j'ai juste travaillé le fil sans le tisser. Donc pour la deuxième partie, on va inverser cette fois-ci les couleurs. On a commencé en jaune, on va commencer cette fois-ci en blanc. Donc au total, on va monter 3 carrés. Donc 3 rangées. Je vais croiser ici et je vais donc tricoter en blanc une. Voilà. Alors, vous tenez les fils normalement comme vous tenez, vous êtes comme vous avez l'habitude de les tenir. Donc, 5 mailles en blanc cette fois-ci. Voilà. Après 5 mailles en jaune. Donc voilà, chers amis, on va monter 3 rangées de carrés comme on a fait pour le premier pied et on se retrouve après. Donc vous avez comment commencer les deux pieds. Vous allez monter simplement de 3 carrés, 3 rangées de carrés. Et on se retrouve après pour la suite. Voilà donc, alors voilà, là j'ai tissé le fil, vous pouvez voir le résultat. Donc lorsque je suis sur la rangée retour, là, ici, je vais augmenter une maille et deux. Donc j'augmente les deux mailles, je tourne le travail, je vais couper les deux fils ici. Donc après avoir augmenté de 2 mailles, je coupe le fil, je vais faire un nœud pour ne pas laisser échapper donc les 2 mailles augmentées ici. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4 mailles. Alors je prends le pied gauche. Là, voilà. Vous allez cette fois-ci superposer le travail ici. Donc nous sommes à la fin. Ici on était donc au début de la rangée et ici nous sommes à la fin. Alors
Voilà. Donc, je vais faire. Donc, je replace bien les mailles. Alors, je prends cette aiguille. Donc, je vais replacer. Ça me fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si j'ai 5 mailles de nouveau. Donc, ce qui va me donner un nouveau carré. Donc, je vais replacer. Je vais placer les mailles donc du second pied sur mon aiguille donc pour que toutes les mailles soient sur la même aiguille. Voilà, donc là j'ai placé les deux morceaux sur la même aiguille. Alors vous avez 5 mailles ici, 5 mailles au milieu entre jambes. Voilà, voilà pourquoi donc j'ai augmenté des 2 mailles. Alors pour la suite, alors ici c'est très simple. Pour la suite donc, on va simplement travailler droit, donc en inversant simplement les couleurs. Donc on a commencé, ici je vais commencer donc une nouvelle rangée en faisant attention. Donc reprenez bien cette partie pour avoir le même résultat que moi. Donc on va faire 2 mailles à l'endroit en jaune et 5 mailles. Alors je préfère garder les marqueurs après. Non, c'est pas de blanc, c'est jaune, donc je vais garder le marqueur. Donc on fait 5 mailles en jaune, 1. Donc, tisser le fil. 2. Tirer ici pour bien cacher les morceaux après. Donc, vous allez travailler droit. Donc, vous allez reprendre les mêmes rangées. Donc, vous allez simplement inverser, changer de couleur à chaque fois. Donc, si vous avez un carré en jaune, la deuxième partie, le carré sera en blanc et vice-versa.
voilà, on va terminer donc en blanc. Et le marqueur, donc la maille lisière de tout à l'heure, ça m'a donné donc avec les deux mailles augmentées plus les deux mailles lisières de la première aiguille, ça me fait donc 5 mailles. Voilà pourquoi donc j'ai créé un nouveau carré. Ici, une, deux, trois, 4 et 5. Voilà. Et la suite, on va faire 5 mailles en blanc, 5 mailles en jaune, 5 mailles en blanc et 5 mailles en jaune. Après, on va travailler droit. Donc, vous allez travailler droit jusqu'à 16 cm. Après la première rangée, donc, lorsqu'on a augmenté, à partir de cette rangée, vous allez travailler 16 cm au total et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai posé les premières rangées et le reste, on va le faire hors caméra. Donc à partir de cette première rangée, je dis, vous allez tricoter 16 cm. Alors, la première, la partie la plus difficile, c'était comment faire pour avoir donc les rangées justes et les carrés justes pour ne pas donc fausser les carrés au niveau des couleurs. Donc vous allez, à partir de là, vous allez pouvoir donc travailler ça, comment dirais-je, vous allez pouvoir travailler simplement les rangées, les carrés et les couleurs. Alors, je disais surtout, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas à me laisser vos appréciations en commentaire par rapport aux vidéos, par rapport aux tutoriels. Et surtout, si vous avez besoin, si vous aimeriez donc voir autre... Bon, là, je fais quand même un peu le total, les layettes, les tricots pour bébés, pour adultes. Et prochainement, donc, je pense qu'on va commencer à se préparer pour l'hiver prochain. Bon, même si c'est encore un peu loin, mais on va déjà, je vais déjà commencer à réaliser des tricots pour Amélie. Et j'ai déjà quelques commandes qui sont arrivées. Donc, je serai ravie de vous de partager avec vous les prochains tutoriels. Voilà, donc vous tissez le fil. Voilà. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie, pour la réalisation du dos et pour les finitions. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre réalisation de cette salopette pour une taille de 3 à 6 mois au tricot. Alors, le modèle, c'est un modèle pour garçons. Et donc, si vous voulez faire un modèle, donc adapter le modèle pour une fille, vous pouvez le faire. Il suffit juste de changer de couleur, je pense. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Portez-vous bien. Et surtout encore, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager et surtout à me laisser un petit signe donc, de satisfaction par rapport au modèle proposé. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Et donc, je rappelle, on va travailler 16 cm à partir de cette première rangée après la formation des deux premiers morceaux. On monte 16 cm et on se retrouve après.